On est bon? Est-ce qu'on est good? On est tout bon? Ouais, survivant! Attends, y a pas la webcam. Ah si, y a la webcam. C'est que j'étais pas là en fait. Après un yop, tout le monde va bien. Et toi, quoi de beau? Bon. Hop. Est-ce que le compte il a été joué aujourd'hui? Est-ce qu'au moins les gens ils font leur travail correctement? Il nous reste quoi à faire ici? On a la Zurtan à jouer. On m'a dit 19h UTC. Ouais, 19h UTC à Zurtan. On va aller se faire ça un petit coup. Je vais vous faire une petite vidéo aussi, ça fait un moment qu'on n'a pas fait une vidéo à Zurtan. Ah, rien de spécial. Ça prévoit quoi pour les vacances là? On arrive bientôt, bientôt à l'été là. Ça prévoit quoi pour les vacances? J'ai mal à la tête. Alors quand t'essuies tes lunettes et que tu les remets sur ta face et ils sont encore plus sales qu'avant, c'est qu'il y a un souci là. Qu'est-ce qui avait changé les lunettes? Voilà, au moins je vois clair. Juillet travail et où tu pars au Brésil? Propre, c'est cool ça le Brésil. Ta première fois? Mais Brésil au mois de... Ouais si, Brésil au mois d'août. C'est pas la saison pour aller au Brésil, si? Ils ont les mêmes saisons que nous? Tu vas pas te retrouver aux saisons des pluies ou je sais pas quoi là? Après que les gens ils y allaient plus au mois de septembre, octobre, etc. non? Ils ont le même juillet, août que nous, que les Européens? Je sais plus ce qu'elle m'avait dit, Lily. Loading, loading, vas-y mon pote, loading, c'est lui que je veux augmenter, hop, voilà. Je pense que je vais essayer d'aller débloquer tous les trucs un par un. Au lieu de maxer à chaque fois chaque truc. Parce que
que tu passes de 8 à 12%, donc tu gagnes 4%. Hello, hello, hello. La Normandie, non, si. Le Nord se connecte, j'allais dire la Normandie. Donc, alors, 40 minutes avant la Zurtane, et on a quoi d'autre à faire? Avec Crystal Mind, c'est un truc. Je suis à deux doigts de quitter Uno là, moi. Je suis à deux doigts de quitter Uno. J'ai jamais pu farmer une seule fois. Ça me rend fou. C'est en train de me rendre fou là, faut qu'il nous rajoute des mines là. C'est une dinguerie. Ouais. Les gens, je sais pas comment ils font. Hein. Je sais pas c'est quand qu'il faut venir les foutre. On est trois à jouer sur mon compte, frérot. Il n'y a jamais moyen d'en avoir une de leur truc. Je pense que les gens, ils doivent avoir la notification. Dès que ça revient, ils renvoient direct, frérot. T'as pas 5 minutes avec une ressource de libre. C'est une dinguerie. Et là, puis on arrive à la fin du Migo, donc tout le monde a monté son Migo, tout le monde a fait son truc, plus personne n'a besoin des autres ressources, frérot. Là, je crois que je suis obligé d'aller sur du niveau 6. Ce matin, je suis allé sur du niveau 6. Et même le niveau 6. Ah, même les niveaux 6, là, je crois que tout à l'heure, j'ai abandonné. J'ai fait 2-3 niveaux 6, je me suis dit, oh merde, je vais pas aller sur le niveau 5. J'ai dit, vas-y, je vais sur rien du tout. Bah, tu prends pas les 9, de toute façon, tu peux pas. Tu peux pas. Tellement de chacal que... Non, non, ça, faut que j'aille voir avec les devs, là, pour qu'ils nous augmentent le bordel. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Je suis en train de me rendre fou, et ça fait, tu vois, ça fait quand même un moment que c'est là, les mines, tu vois. Petit à petit, la pression, elle est en train de monter. En plus, l'autre jour, je vois une mine de libre, avec un joueur Uno qui avance. C'est pas, tu vois, ah, on joue tranquille, c'est bon enfant, j'accélère, je vais prendre la ressource tout de suite. C'est pas, je reçois un message. Ouais, c'est très bas, très petit ce que t'as fait. Je m'attendais à ce genre d'action, mais pas venant d'un joueur de Uno, de mon propre clan. Oh, c'est bon, détends-toi là. C'est le petit frère qui vole la dernière cuisse de poulet au grand frère, wesh. Ah, reprends là, t'as un truc. Non, c'est. Il m'a fait un caca nerveux. Je me suis commencé à m'écrire des insultes. J'ai dit, bon, écoute, allez, fin. Prochain message que tu m'envoies, je te mute pendant 24 heures. Bon, c'était pas capable de. Et les gens, ils commencent à m'embrouiller avec ça, là. Ça commence à vite me gonfler, cette histoire. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pas question de indiquer ou pas, c'est qu'il n'y a pas. Donc, d'une, déjà, ils devraient indiquer les vides. Ça, oui. Ça, c'est sûr et certain. Et deux, il faut en mettre plus. Non, mais je te jure, regarde, regarde, regarde. Je l'ai, hein. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Il est où? Il est où? Il est où? C'est quoi? C'est un nom que je connais pas. Regarde. Ah, regarde, 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 regarde. Je lui dis, not cool, going for mine. I was going for. Mec! Mec! C'est bon, j'en vois une de libre, je cours pour l'avoir. Une en 6 mois, frérot, c'est bon, je peux la prendre. Je cours, c'est rien, c'est rien. C'est pas le mec, il en fait un scandale. Non, c'était pas free, j'étais en train de l'attaquer, il y avait mon nom dessus. Ah, ma main dans ta gueule. Je commence, tu vois, calme. Je commence à répondre. Commence à dire que je suis rude. Comment ça, je suis rude, moi? Oh, au bout d'un moment, faut pas se foutre de ma gueule. Tu vois, je lui dis, vois pas le rude, vois le fun, tu vois, c'est. Je suis juste un clown, moi. Regarde, et je lui dis, vraiment, hein. Je lui ai dit, je lui ai mis la métaphore et tout, c'est le petit frère qui vole la cuisse de poulet. Le mec, il commence à me dire que je cherche des excuses, il commence à m'écrire avec des étoiles. Eh, écoute-moi bien. Écris-moi une fois avec des étoiles.
Si t'es pas capable de m'écrire sans étoiles. Ah oui, hein? Oh, on va commencer à faire des histoires pour des mines. Mais regarde, il n'y a rien. Je vais être obligé d'aller quoi sur des mines niveau 5? Mais non, mais non, mais non, mais non. Ah là, mine niveau 5. Et tu récupères pas les mêmes récompenses que sur des mines niveau 9. C'est pas du tout la même chose. Ça a rien à voir. Ah ouais. Je crois que je supporte plus les trous du cul en fait. Autant avant ça me faisait rire, mais maintenant, tu sais, c'est comme quand tu manges trop de soupe, au bout d'un moment t'es gavé de la soupe. Bah moi, trop de cons, je suis gavé par les cons, et je pars au quart de tour. J'ai plus de patience. J'ai plus de patience. Un rien m'énerve directement. Pourtant, vous avez vu, hein, j'ai écrit des messages, j'ai essayé d'être cool. Mec, tu commences à m'écrire avec des étoiles, tu me fais un drama pour. Non, mais tu vois le. Il y a longtemps, là, sur Facebook, là, le mec qui est dans son jardin, qui claque le gosse, qui claque la femme, qui claque les voisins, qui claque les amis au barbecue, qui claque les flics qui se ramènent. Un jour, je sens, ça va être ça, moi. Ça fait trop de. Tu vois? Trop de. Je vais faire un ulcère et un jour, je vais tout gifler. Bah, 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 bah. Je vais vraiment te le faire, ça. Ah, j'ai du mal, il faut. Ouais. Ma mère, elle me verrait, elle me dirait, tu t'as arrêté de fumer? Non, j'ai pas arrêté. Bah, fume plus alors. Je sais même plus si c'était pourquoi la pub. Au final, la vidéo, elle a été dérivée 15 000 fois pour ça, en fait, tu vois. Ah ouais, je suis perte de claque pour tous. Bon, 13 minutes, on est prêt. Qu'est-ce qu'on a à faire? Non, on peut aller déjà acheter un petit boost de capacité. Ça, c'est pas trop mal. Alors, les ninjas en herbe, là. Bon, les chats grandissent bien. Hein. Ça grandit bien. Ça commence les pizzas. C'est déjà aux croquettes avec du lait. Et là, on est prêt pour la première cascade. Ça fait toboggan? Ah, vous les voyez pas, mais le fond vert, je sais pas c'est quoi là, enfin la texture ou. Mais en tout cas, sachez que là, la texture des fonds verts, la façon lycra, les chats ils adorent tous, hein. Depuis Bella, ils ont toujours kiffé, et là c'est pareil, eux ils découvrent le fond vert là quand j'allume les streams, ils sont en surkiff. Hein. Ils se foutent dedans direct, ils jouent, ils grimpent, ils. Donc vous saurez que ça plaît beaucoup aux chats. Montre le noir, STP. Il y en a deux de noir. En voilà un ou une. Oui, bah doucement. Doucement. Ça va? Allez, oui, allez. Bon, oui, bah fais ta vie, tiens, allez, fais ta vie. L'autre, il est parti à l'abri. Dès qu'il revient, l'autre. Ah, il est là, attends. Attends, je peux pas l'attraper là. Il est où l'autre? Il est au loin là. Dès qu'il repasse à côté, je le chope. Mais il a dû sentir la carotte.
Ils sont tout mignons, mignons, mignons. Non, ça va, ils sont tous mignons, c'est vrai. Mais j'avais déjà eu un noir, hein. La portée d'avant, il y avait eu un noir et ils ressemblent tous. Tous à. Bah, elle s'appelle Luna, je croyais de l'appeler Luna. Ils ressemblent tous à Luna avec la petite tache, ils ont tous une petite tache blanche ici, là. Bon, il y en a qui ont Azurtan aussi, là, à 19h UTC, ou je suis tout seul? Normalement, je risque de me faire savater, hein. Je suis toujours avec la Gen 15. J'ai fini de maxer l'Aircraft Formation Système 300. On a fini de maxer ça, là. 21h, t'as mis? Ah, 21h, trop tard pour moi. 21h UTC, ça fait du 23h, c'est mes heures de dodo, là, en ce moment. 22h30, 23h. Là, tu vois, là, je serais bien allé me foutre au lit. Mais j'ai dit, allez, non, un petit stream. Je commence, j'ai bientôt fini le site web et tout, là. Je sais pas si vous avez vu pendant les vidéos, je commence à mettre les articles, etc. Mais le site est pas totalement fini. J'ai bientôt fini le site internet, je vais avoir plus de temps pour revenir en stream tous les matins, là. Matin et soir, on va se refaire ça tranquillement, ça va être. C'est un peu plus calme. Et puis, sur Soc, là, avec la saison 3, là, va y avoir pas mal de commissions. Vous avez vu le nombre de ports qu'il y a? Il y a, avec les trois guides, à 76, 78 et 80 ports. Donc là, les boussoles, là, dès que les ports, ils vont s'ouvrir, les portes, elles vont s'ouvrir et qu'on va avoir plus de, on va devoir faire tout le tour, là. Là, va falloir bien jouer ses boussoles parce qu'il va y en avoir un bon nombre à faire. Des horaires normaux de sommeil. Ouais, coucher à 22h pour être réveillé à 2h du matin. Là, je me suis réveillé à quelle heure? Non, je me suis couché à quelle heure? Je me suis couché à 5h. Et je me suis réveillé à 9h30. Salut Adia. Ouais, toujours en décalé plus ou moins. Mais je dors pas beaucoup, donc dans tous les cas, même sans être décalé, je suis décalé, hein. Bah, c'est pas plus mal d'être en décalé, tu vois, ça permet aussi de réveiller Tech. Parce qu'elle, maintenant, elle a repris une entreprise là-bas, comme elle avait avant, là, de poissonnerie, mais là, c'est de boucherie, enfin, charcuterie. Donc, elle fait, c'est là, c'est les réveils, c'est 4 heures, 5 heures, tu vois. Donc, comme ça, je la réveille avant d'aller me coucher. Alors, c'est pas forcément immense. C'est que t'as vu, t'as des ports, tous les 50 mètres, t'as des ports. Donc en fait, tous les 50, tu vois la boussole, t'en as que 20 par jour. Et en fait, si tu te retrouves à faire les coffres, en mode, tu vois, les coffres, on les faisait avec 3 boussoles à la fin, là. Tu vois, tu fais 3 boussoles, tu te mets un port, tu ouvres 10 coffres, 8 coffres. Mais là, t'es obligé de les faire un par un, parce que rien que déjà faire toutes les commissions, ça va te faire un bon. Il m'avait déjà prévenu, les Français qui avaient déjà fait la saison 3, là, qui sont en saison 4. Il m'avait déjà prévenu. J'avais oublié de vous prévenir. Mais ouais, faut faire attention. Là, faut bien avec jouer avec parcimonie les boussoles, une par une, tous les jours, 20. Parce que y a pas moyen d'en racheter et pas moyen de. Si vous foirez, vous foirez. Bon, après, c'est pas la fin du monde, mais voilà. Ah, il y a le blanc! Hello, on s'est pas vu aujourd'hui, toi encore. Catwoman, tu fais quoi? Non, 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 that it's a laptop.
C'est le laptop, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, il va appuyer sur le bouton Wi-Fi, tu vas bien qu'il va réussir à foutre sa patte sur, comme les autres, à foutre... Vous avez vu ce qu'il a fait? Scale ou skill? Bah tu sautes comme ça, toi! Y a pas de place pour toi sur le... Non. Qu'est-ce que tu me fais? Oh. Voilà. Pleine découverte du monde. Je sais pas si je peux foutre. Elle est mignonne, elle aussi, hein. Y a pas que les noirs qui sont mignons. Ah, 18h55, attention, mesdemoiselles et messieurs, on se prépare. On se prépare, on se prépare. On va aller faire notre inscription aussi en même temps. Capacité, c'est bon, c'est mis. On est en mode guerre. Minutes. Ah non, on a le temps encore. 11 minutes. On a quoi à faire? Ils apprennent. Bon, vous avez vu, ils ont réglé. Oh, ils ont réglé le drop là pour l'event. Ça a fait gros drama. Hein. Ça a fait gros drama. Je me suis farcelé toute la nuit jusqu'à 5h du matin, jusqu'à temps que j'aille me coucher. Jusqu'à temps que j'aille me coucher, vous cassez les couilles. Maximus, il a violé tout le monde dans le Tycoon. Tous les gros joueurs, ils ont joué. Sauf que t'avais un problème de drop là, le shield il marchait pas, tu pouvais te faire attaquer à l'infini. Maximus il arrive à la fin de la journée, il a joué pour 3000 balles de diamant, il a violé tout le monde. Parce qu'en fait quand tu tournes, tu montes tes bâtiments, tu payes, tu montes tes bâtiments. Je leur ai dit d'attendre le stage 7 de jouer, maintenant ils ont voulu jouer stage 1, voilà. Tu montes tes bâtiments. Mais après quand les autres ils t'attaquent, tu peux pas défendre. Maximus, il a joué pour 3000. Je crois Monroe, il est passé du niveau 20 au niveau 6. Et donc en fait, après, tu dois repayer pour réaugmenter tes bâtiments. Donc c'est pour ça qu'ils t'ont fait une mise à jour. Bah, ils m'ont dit merci. Voilà. C'est pour ça que t'as eu ça. Qui m'ont harcelé, Colonel Qatar, Monroe, etc. Je leur ai dit, on va voir ça avec l'équipe. Et après le rendez-vous du matin, je leur ai partagé le bordel et apparemment ils étaient d'accord. Et après ils vous ont balancé ça là, ils ont réajusté le bordel. Donc là t'es limité, tu peux te faire attaquer que 10 fois. Et au bout de 10 fois, bah, tu perds plus rien quoi. Et t'as deux boucliers supplémentaires ou trois, je crois. Bon, on est parti pour un Azurtan. Ça fait un moment que j'ai pas fait Azurtan. Hein. La dernière fois, c'était avec vous en live. Et ça s'est très mal passé. Donc j'espère que ça se passera mieux ce soir. J'espère, j'espère. Oh, un seul. On va changer de casquette ce soir. C'est mieux. Bon, vous m'avez rien dit pour ma petite chemise de bûcheron. J'ai eu plein de compliments là cet après-midi. Il faisait beau, je suis sorti.
J'ai toutes les mamies du quartier, elles m'ont fait tous des compliments pour ma chemise. Alors je commence à avoir des doutes, donc j'aimerais bien avoir votre avis sur ma chemise. Parce que autant ne pas recevoir de compliments sur mes tenues vestimentaires, ça me choque pas, mais voir toutes les mamies du quartier me dire la chemise me va super bien, j'ai un mauvais pressentiment. Donc, vous pouvez me dire quel est le souci avec ma chemise? Noir sur noir. Comment ça, noir sur noir? Tu vois pas que c'est une chemise à carreaux de bûcheron canadien? Non? T'aurais dû mettre une autre couleur en dessous. Ah si, elle fait noir. Ok. Ben, c'est très bien. Allez. Inscription. Je peux pas jouer la trappe parce que je vais en Azurtan. Ils me font chier. Allez, on est parti. On s'inscrit. Let's go. Je sais même pas où je dois aller. Ils vont encore m'engueuler. Comme toutes les semaines, ils m'engueulent. Hein, ils sont où mes trucs? Ah, oh, vas-y, ramène, j'ai pas le temps pour ça. Go bébé. C'est bon, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Ok. Ah. Hein? Pourquoi je suis pas à 11 000? Qu'est-ce que j'ai pas fait? 3332. Bon, je sais pas, on verra plus tard. Mais non, je suis à 11 000. 1 minute 25. Nous sommes prêtes. Hop. Et je vais même essayer un truc. On va voir. Je vais essayer de vous enregistrer le stream. Sera peut-être plus sympa qu'une vidéo gameplay, non? Est-ce que c'est pas plus simple? On va voir. Je vais essayer, je vous promets rien. On va voir si ça rend bien. Ils sont en train de se battre pour je sais pas quoi. Ça, c'est l'autre noir qui crie pas. Il y a une noire qui crie et une noire qui crie pas. Ah. Ok. Bah alors, c'est peut-être celle de tout à l'heure, je sais plus. Allez, 20 secondes, on est parti. On est parti? Qu'est-ce que je fais? Moi, je fais démarrer l'enregistrement. Ah, oh, on fait juste démarrer l'enregistrement. Et on va voir ce que ça donne. Donc, au pire, si ça fait vidéo. Ouais, survivant. Bienvenue sur cette première vidéo test Azurtan pendant un live. On va voir ce que ça donne. Donc, espérons que je finisse premier. Et on va voir ce que ça donne. Let's go. I don't know what we wait. Je sais pas ce qu'on attend. So, what we do, where we go? So, je dois rester poli alors. I need to stay polite. If I recall my voice. Where we go?
Oui. Ouais, is not bad, hein. Maybe or here. Yeah, here is better, hein. I seem here. Allez, on est parti. On va enregistrer aussi ici au cas où que je fasse une bêtise pendant cette vidéo. On est parti. Let's go. Essayons pas de se faire violer parce que la dernière fois, je crois que je me suis fait violer. Je sais plus qui j'avais eu sur le dos, mais je crois que j'en avais eu sur le dos. Let's go. On essaye de jouer bien. Rapide, fluide sur les doigts. On n'oublie pas les zombies. Zombies très importants. Oh, toi, tu vas me gêner, tu vas me gêner, tu vas me gêner ici, là. J'ai pas le temps. Eh voilà, je loupe le départ. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Ouais, je t'ai servi à personne, 19h UTC? Y a personne. C'est quoi ça? Je joue tout seul ou c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? On va pas se plaindre, hein, mais j'ai l'impression que je suis tout seul. On est plus de 230, 250. Mais ils sont où les 250? Tout seul, regarde. Ah si, là il y a du monde. Ok, d'accord. Regarde, personne n'attaque mes trucs. Il y a encore du truc libre ici. J'ai même plus l'habitude de... Oh là là, ça va trop vite pour moi. Non, 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 rappelle-le, reviens! Oh, merci. 459 combat moral. J'ai eu peur quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ah! Reviens, 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 reviens. Ah non, ah, je vais encore finir avec tous mes héros morts à l'hôpital. Arrêtez les bêtises, hein. On joue sérieux, 450 de morale, on le laisse tranquille le 450 de morale. Faut arrêter. Arrêtons d'avoir les yeux plus gros que le ventre, Vito. J'aimerais bien essayer lui. Ça dit quoi? Je crois c'est qui lui, Didi? Pourquoi j'attaque pas Doff? Ok, 62, c'est bon, 62. On n'est pas trop mal là, non? On devrait pas être trop mal. Bah ouais, forcément qu'on est premier, il n'y a personne sur nous.
Non, mais d'habitude, il y a toujours. Mais de toute façon, il y a, hein, t'as vu, 456. Il y a des grosses bêtes, il y a des grosses bêtes. C'est juste que pour une fois, j'ai de la chance. Je me suis pas retrouvé au milieu d'un guépier. C'est pas trop mal. J'ai pas quatre peluches sur mon dos. Oh, c'est cool, c'est cool, c'est cool, ça se passe bien. Ah là là, ça court après les zombies. Deux cent un, on risque rien. Ça va, mais pas trop mal. On peut aller dormir dans un. J'aime bien les petites parties comme ça, t'as rien à faire, c'est cool. J'aime bien des petits Azur Time comme ça. Au bout d'un moment, il y en a un qui va venir sur mon dos, un des premiers. Ils vont en avoir marre de me courir après. 294. Allez, let's go. Dans 60 secondes, stage gaz. Let's go, baby. Ah, j'ai pas assez de marche. J'ai un problème avec mon téléphone, avec mon écran ou avec mes doigts, mais c'est pas fluide.
Alright, I need to open the window. C'est avec le bonhomme tout court qu'il y a un problème. Hé! Hey, comment va mon Toto? Quoi de bol, Toto? Attends la fin de la Jurta, mon copain. Reste, reste, reste. Je voulais t'appeler l'autre jour, j'ai pensé à toi, je sais plus pour, je sais pourquoi. Je me suis dit, ah, tiens, il faut que je l'appelle un coup. Ah ouais, non. Bon, je m'en rappelle. Connerie sur TikTok. Quoi de beau? Pas de grand nouveau. Toujours au golf, tout se passe bien. Et les petits bons bien aussi. Les beaux temps arrivent là. Putain, au moment où j'attaque, ils me sortent des zombies. Il me pique tous mes... Yeah, my boy. On n'est pas trop mal là, hein. 205, 187. On n'est pas trop mal. Toujours au golf, oui, ça va pas changer, je pense, dans l'année qui va arriver. Ça va changer, je pense, dans l'année qui va arriver. Comment ça, tu nous as trouvé quelque chose d'autre? Ou ça y est, c'est juste en amour du golf. Allez, dernière 15 minutes. Ils m'ont piqué tous mes zombies, wesh. Yeah, Pablo. What, my boy? Ils me volent tous les zombies.
Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé de beau? Moi, je croyais que c'était bien le golf. Golf, c'était un peu comme moi au karting, quoi. C'est des tafs. Bon, tu peux y rester 30 ans. Enfin, moi, j'y reste 30 ans sans souci. Qu'est-ce que tu nous as trouvé de beau? Tu déménages avec moi en Thaïlande? Viens avec moi en Thaïlande. Hello Nexi. Hello, hello. Je me tâte à déménager en Thaïlande là avant 2025-2026 là. C'est bien, c'est la nouvelle direction qui est naze. Ah ouais. Ah, puis ça, tu peux rien faire. Hein. Ah ouais, ils ont. Le golf a été vendu, etc. Ah, dommage. Et quoi, ça change tes horaires, ça. I am nice, thank you. And you, Nexi. What's up? Pas intéressant pour toi la Thaïlande. Ah! On met chacun 20 000 balles. Un petit resto. Tu nous fais des burgers. Et fin? T'achètes un petit bar ou une connerie ou. Et puis fin? Tu te fais un petit resto de plage ou. Non, juste le changement de. Ah ouais, comme quoi juste une personne peut te niquer un taf. Ah si, la Thaïlande, c'est pour tout le monde. T'achètes un petit bar ou une connerie ou quelque chose là, et puis. Enfin, tu finis tes journées entre deux palmiers, avec un hamac, un snack bar pour les touristes français. Merci, au revoir. Ah si, là, moi, ça me saoule vraiment la France. Ça me saoule vraiment la France. J'ai trop de clients aux Philippines, en Malaisie, en Thaïlande. Là, déjà, pour 300 euros, t'as 80 mètres carrés dans un immeuble 50 étages avec salle de piscine sur le toit, gym, machin, salle de réunion à disposition, tout le truc. Allez, fin, fini. T'achètes un petit bar ou un resto ou n'importe quoi là. Un truc bidon. Juste histoire de faire une petite rentrée d'argent, c'est tout. Faut pas vivre là-bas. Fin. Si tu laisses les enfants à leur mère, c'est vrai qu'ils sont encore un peu jeunes, toi. Mais putain. Mais les enfants, ils te suivraient direct. Moi, oui, on va avec papa en Thaïlande, fini. Allez, basta. Petite vie belle, avec le petit tricycle pour aller à l'école privée française, en vélo, le bord de la plage. Ouais. Non, je suis en train de me renseigner sérieusement, là. Je suis en train de me renseigner sérieusement, sérieusement, sérieusement. Là, je me fais chier à louer des appartements en France. Un coup sur deux, je me retrouve avec un locataire. Il y a une excuse, il y a machin. Eh, vas-y, 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 vas-y. Bien, je te vends tous les apparts là avant 2025-2026. Je vends tous mes apparts, tous mes biens, je vends tout. Merci, au revoir. Je t'achète un appart en Thaïlande ou une villa ou je sais pas quoi, n'importe quoi là. Et c'est fini. Merci, au revoir, ciao. Ouais, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, après, enfin voilà, tu vois, comme je dis à Toto, tu mets 10, 20 000 balles, enfin un billet, quoi, et puis c'est sûr que tu peux pas déménager les mains dans les poches. Mais après, c'est parce que Toto, il a une situation spécifique. Mais en tant que.
personnes, tu vois, qui rentrent dans les critères, alors pas normal, mais tu vois, basiques, etc. Tu peux aller en Thaïlande et prendre n'importe quel travail. Tu vois ce que je veux dire? Et puis même Toto, il peut prendre n'importe quel travail aussi, tu vois. Un peu plus compliqué. Mais tu vois, toi, t'es une nana, tu veux aller en Thaïlande, tu fais serveuse dans n'importe quel bar ou restaurant ou hôtel, Club Med, qui parle français, qui marche un et cherche des Français, tu trouves un travail sans souci. Tu trouves un travail sans souci. Donc, oui, moi, je peux travailler de chez moi. Mais vous pouvez avoir un travail en Thaïlande aussi. C'est ce que je veux dire. Ouais. Quelle vie de pacha, frérot! Quelle vie de pacha! Arrête! Hein. Ah. Ah, frérot! Ah, frérot! Ah, frérot, j'ai mis la pizza au four! Oh, putain! Voilà, fuck, 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 I burn my pizza. What is that? It's a black cheese? Bah ouais, I lose my top one. Ah là 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 là. Mais toi, tu parles français, mais ils cherchent justement des gens qui parlent français pour accueillir les touristes français. Dans 2 ans, quand tu verras les lives en direct de Thaïlande, là, je pouvais te dire, viens, Oxy, je connais cette personne, elle t'embauche tout de suite. Là, faut pas que je parle, je vais pas parler sans, tu vois. Mes recherches. I burn my pizza. Ah ouais, it's a rock. It's a pizza rock.
I cannot recover. Hello. Bon, on aura fait notre maximum, mais on a perdu à cause de la pizza. Sans la pizza, on aurait gagné. Hein. Why you cry? Yes. Allez, let's go les dernières secondes. Ah là là, je me suis fait violer à la fin. Bah ouais, tout le monde qui m'emmerde, la pizza, le chat, le chien, ta sœur, la grand-mère en string. Je peux pas jouer tranquille dans ce... Putain. Truc de fou, là. Quatrième, c'était bien. Premier, tranquille, 50 000 points. Non, on est obligé de finir, là. Voilà. Voilà. Burning pizza. And it's a rock, hein? Oh là là. Mais non, mais c'est pas, c'est de votre... Écoute, c'est la faute à qui? C'est avec vous que je suis en train de travailler, c'est vous qui me... En train de travailler, en train de parler. Oh, t'as... Hey, oh! Quoi? Tiens, démerdez-vous avec la pizza trop cuite, moi j'en veux pas. Vous la voulez, bouffez-la. Tenez, m'emmerdez plus. À la fin. Putain! En plus, quand est-ce que je l'ai foutu au four? J'écoutais moi bien, mais j'ai de la chance. Ah, j'ai de la chance que Tech, elle a un four... Genre, il fout pas le feu à la baraque. Sinon, je t'aurais déjà foutu le feu à la baraque. Parce que je me suis pas levé pendant le stream pour aller mettre la pizza au four, on est d'accord. C'est-à-dire que la pizza, elle était au four avant le stream. Donc, je me suis dit, je fous la pizza à cuire avant le stream. Donc, j'ai dû foutre la pizza au four 20 minutes avant de commencer le stream. Tu vois, je me suis dit, c'est bon comme ça, hop, elle. Je commence le stream avec la pizza et je mange avec vous. Entre temps, il y a dû l'avoir l'un de vous qui me fasse chier sur Discord. J'ai pas eu le temps de...
Et j'ai oublié d'aller chercher la pizza avant de démarrer le stream. Mais ça fait 1 heure et demie qu'elle était dans le four. Ouais, mais j'ai de la chance que le four ne crame pas le... Et je vous dis, c'est peut-être parce que je sais pas me servir d'un four. Parce que quand vous voulez faire cuire une pizza, il y a plein de boutons là, vous tournez, ça met plein de boutons avec des traits, ou avec un ventilo, ou avec... Moi, je mets un trait en haut, un trait en bas et le ventilateur. Tant que ça marche pour une pizza, c'est le principal. Mais je suis pas sûr que j'arriverai à faire cuire un rôti de porc avec le four en faisant comme ça. Je suis pas sûr que... En ventilo, 20 minutes. Ouais, mais c'est l'alarme qu'il faut que je... Faut que j'apprenne à régler le minuteur. C'est le minuteur qu'il faut que j'apprenne à régler. J'ai un petit souci de minuteur. Donc voilà. Belle péripétie. Non mais heureusement, c'est la troisième que je brûle. C'est la troisième que je brûle. Et c'est de votre faute, hein. Non, je mets à 170, moi. J'aime pas quand ça cuit trop vite. J'aime bien quand ça cuit tout doucement. 170. C'est bien 170. Bon. Bah voilà notre petite Azurtan, it's finished. On a quoi d'autre à faire sur SOS en ce moment? On a quoi d'autre à faire? Oh, un petit... On se fait un petit... Oh, ça fait longtemps. Oh, il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. Oh les gars, je vous paye pourquoi là? Eh, faut que j'aille les voir les deux. Parce qu'ils se foutent de ma gueule là. Ils ont foutu quoi aujourd'hui? Y a pas le Fenzy de fait? Ils ont rien, ils ont pas fait de Fenzy? Task. Game complète, ils ont pas fait de Tenzy. Échelle choc niveau 1. Elles vont me dire, bah ouais, mais on pensait que tu voulais le faire en stream. Et. Je crois que j'ai fait une vidéo en plus. Je crois que j'ai fait une vidéo quand j'ai fait le niveau 10. Bon, on se fait un petit Fenzy ou quoi, ça vous dit? Ah ben vous êtes... Ah, vous êtes c'est haut. Donc bref. Ah, et je trouve ça cher. Franchement, pour ces petites pizzas de merde là. Ça là, les maris là, crousti moelleux de merde là. Crousti moelleux là. Eh, c'est quoi? C'est 7 euros les 3 pizzas? On est bien d'accord, il n'y a rien sur la pizza là. 2 balles la pizza, mais tu me fais payer quoi pour 2 balles là? Déjà du fromage qui noircit. Comment te dire que je ne dois pas y avoir beaucoup de vrai fromage dans le fromage pour qu'il noircisse comme ça. Ouais, en fait c'est ça te sert de base et puis tu rajoutes ton petit truc dessus, tu te fais ton kiff, ouais, c'est ce que j'aurais dû faire. Mais encore une fois, j'ai pas le temps, j'ai pas une vie de pacha. Voilà, j'avais 3 minutes de libre, exactement même pas, j'avais 20 minutes de libre. Et encore, 20 minutes de libre parce que j'ai dit à deux clients, je dois vous laisser, je vais en stream, alors que j'y allais que dans une demi-heure. Ah oui, hein. Oh, l'autre, il est sérieux. Tu préfères les faire toi-même. Alors, je t'avoue qu'il y a un truc que j'aime pas. Alors, est-ce que c'est ma mère qui sait pas faire? J'aime pas les pizzas fait maison. Ben, tu te rappelles quand t'étais venu, Toto, là?
Ma mère, elle avait fait les pizzas à la maison là. J'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, Philippe. Je suis désolé. Moi aussi. Puis heureusement que j'ai pas mis d'œuf parce que j'aurais niqué un œuf. On va brûler la pizza, c'est pas grave, je vais aller en mettre une autre après le stream. Mais ouais, j'ai jamais aimé les pizzas faites maison. Je sais pas pourquoi. Mais pas que celle de ma mère, hein. Déjà quand tu vas chez des gens, ah, j'ai fait une pizza faite maison. Vous utilisez tous la même tarte à pizza Erta là. Donc au final, vos pizzas ont tous le même goût. Votre sauce, vous utilisez tous le même concentré ou le même truc de sauce tomate. Ça dépend comment tu la prépares. Ouais, mais... Ouais, alors j'ai pas... Oui, bien sûr, oui. Parce qu'un pizza YOLO, il peut très bien faire la pizza à la maison. Là, je vais la manger, ouais. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les pizzas Erta faites maison, là... Quand t'achètes la pâte, là, celle que j'en ai dans le frigo, la tech, elle m'en a fait deux. Je lui dis, vas-y, laisse tomber, c'est bon, tu fais les mêmes merdes que ma mère. Je préfère me payer des pizzas Marie que vos trucs, la rectangulaire, tout épais et tout. Non, vas-y. Ouais. Tu m'en feras une, ok. Celui qui c'est Léonidas. Léonidas, vous vous rappelez, il m'avait fait des. Qu'est-ce qu'il m'avait fait, Léonidas? Je sais plus ce qu'il m'avait fait à bouffer, Léonidas, mais c'était super bon. Je me rappelle que c'était super bon, la bouffe thaï, là. Ou Viette, ou je sais plus quelle origine il est. C'était super bon, hein. Mais justement, je suis pas fan de la pâte épaisse que. Ah, on est. Regardez. Ah, quand je suis arrivé ici, tech, elle a essayé tout ce qui était possible pour me faire plaisir, wesh. J'en ai, là. Ça va, vos pizzas. Pizza Erta épaisse et onctueuse et machin. Bordel, il fait quoi? Ah, il est plus lourd que ma teub. Excusez-moi, il est quelle heure? C'est sorti tout seul. Quatre cents grammes. Ah ouais, un demi kilo. C'est pas pâte. Ah si, fine et rectangulaire. Votre pizza, les yeux fermés. Pff, mon cul, les yeux fermés, ouais. Les yeux fermés, la pizza, elle brûle, hein. Moi, je prends épaisse. Ok. Bon. Bah, je vais vous envoyer mon adresse. Et puis, on va faire une série colis. Et celui qui arrive à me faire aimer une pizza, j'y offre un article dans la boutique VLFR. Parce que vous êtes bien beau à me dire je fais comme ça, c'est bon. Mais hein? Envoyez dans un. Et je vous renvoie pas le Tupperware par contre. Pas déconner. On est parti, on se fait un petit Fienzi? Fienzi. Va sûrement falloir que j'achète un truc ou deux, non? On verra s'il y a besoin de racheter des choses. Ah bah oui, c'est sûr même. Oh, attends, on va acheter. Ouais, bah, insuffisant slow. Ah non, c'est le départ. Ok, attends. On essaye de pas mettre 20 balles pour finir ce truc, hein. J'ai pas envie de m'énerver. Comme ça, on se fait ça, on arrête le stream et demain matin, on ira se faire du soc. Comme ça, j'utilise pas mon endurance sur un soc. Je la garde pour demain matin. Demain matin, on ira se faire.
En plus, Toto, je me suis trouvé un nouveau XXX dans l'autre jeu de pirate, là. Commencez à jouer. Écoute-moi bien. Ça va te rappeler quelque chose de bon. Pas de farming, mon pote. J'ai déjà commencé, au bout d'1 heure, c'était déjà en train de pleurer. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Il y en a, il me dit quoi? Il me dit, moi, j'espère que tu vas tenir le rythme pour venir toutes les heures. Écoute-moi bien. Pendant 3 ans, j'ai attaqué XXX tous les jours, matin, midi, soir. T'es pas prêt, toi. C'est toi qui t'es pas prêt à tenir le rythme. Pendant 3 ans, j'ai niqué ma vie à attaquer des châteaux, juste à faire ça, tous les jours à être connecté juste pour attaquer des châteaux et des troupes en ressources. Moi, mec, ils sont pas prêts. 1 heure, j'ai à peine attaqué 1 heure. Les joueurs du club, je leur dis, hey, vas-y, 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 moi je vais leur montrer ce qui donne les règles ici. Ils veulent pas vous laisser de port? Les laissez pas récolter. T'inquiète pas, tu vas même aller, écoute-moi bien, c'est IDT, ils vont nous envoyer des châteaux, ils vont nous envoyer des bateaux. Envoie-moi 5 joueurs là pour aller me prendre un port, tu me donnes un port. Tu me donnes pas de port? Aucun de tes joueurs va récolter jusqu'à la fin de l'année. C'est fini. Il est fou. Après, il va faire des règles. Non. Toto, je me suis trouvé un XXX, mais comme dans XXX SOS. J'ai trouvé un XXX. Ah non, bah ouais, non, mais. Ah, il m'a fait rire quand il m'a dit, vous êtes prêts à tenir le rythme? Attends, frérot. T'as pas compris que j'ai pas de femme, pas de gosse, rien. Voilà, c'est ça ma vie, c'est ça mon travail, c'est jouer. C'est jouer. C'est. Ah oui, pas de récolte, c'est fini. C'est fini. Ah, mais même vous, là, même vous, c'est fini, plus de récolte. Ah, mon gars, on voit le chat JRJ. Ah, ça vous voit hier. On voyait. Ah, faut aller leur attaquer leur port. Nanana. Ah, vous êtes des collabos. Vous êtes des collabos chez JRJ. Des collabos. Ah bon. Tous là. Là, Toto, tu kifferais là. Il y a Aiden. Mais Toto, il connaît Aiden. Putain, c'est quoi son nom? Merde. Toto, tu te rappelles l'autre qui était avec le gros là? Au début, avec qui on était tout le temps là? En vocal. King Jun. King Jun Jun. King Jun, il a téléchargé l'autre jeu de pirate, il est avec nous. Donc là, je suis avec King Jun. En mode. En fait, il me dit, on fait quoi là? Moi, j'en ai rien à foutre du port. Je dis, mais moi, j'attaque pas pour le port, moi. Moi, c'est juste pour faire chez JRJ. Je dis, c'est tout. J'en ai à foutre d'un port. J'en ai même jamais attaqué un de port depuis le temps que je joue au jeu. J'en ai rien à foutre. Ils me donnent juste une bonne raison. Ça lag? Ah, attends. Comment il s'appelait? Je vais toujours pas. Faut que je lui demande comment il s'appelle, Aiden, mais il va même pas me dire son vrai nom. C'était quoi le prénom de Kim? Je peux aller récolter dans une mer que vous n'avez sûrement pas accès. Un joueur qui... Je m'en fiche, moi. Là, c'est 350 qui vont pas récolter, donc il y en a un ou deux ou trois ou 10 ou 20 qui récoltent, c'est pas grave, tu sais, je suis pas... m'en fiche, moi. Ce qui compte, c'est les 250 qui vont pas pouvoir récolter. Puis même toi, je suis même pas sûr de pouvoir te kick. Je pense que ton compte, il doit être meilleur que le mien. Donc, mais tu sais, moi, c'est pas important de laisser les gens jouer. L'important, c'est le nombre que je vais pouvoir déranger. Donc, ils sont là à se faire chier, là, les coconuts, les machins. Ils s'emmerdent avec IDT, là. Je sais pas ce qu'ils ont à vouloir les brutaliser. IDT, doit y avoir 10 joueurs à tout casser. Et vous voulez jouer au brut? Moi, je vais jouer au brut avec vous. Vous allez voir ce que ça va, comment ça va se passer. Si, si, Aiden, c'est un. Aiden, c'est un gros cash player aussi, hein. Tu peux me kick easy. Aiden, c'est. Merde. Bon, pas un des PDG, mais un des. Ouais, si, je pense que c'est ça. C'est un des PDG de Disney. Enfin, du conseil de machin de Disney. Oh, c'est un gros cash player aussi, Aiden. Non, non, c'est juste que, bon, dépenser pour rien, ça nous intéresse plus. C'est un free to play, c'est des bateaux 31, 32, ils ont. Tu devrais, ou tu leur réponds, ou tu leur réponds pas.
C'est juste des jaloux, frérot. C'est des mecs complexés, jaloux, tu sais même pas pourquoi ils m'aiment pas. Tu sais même pas. Laisse. Moi, ça me donne juste une bonne raison après pour faire la brute sur quelqu'un, tu vois. C'est tout. Là, ils sont en train de s'acharner sur IDT alors que y a aucun intérêt, tu vois ce que je veux dire? Et quel est l'intérêt d'aller les empêcher de prendre un port ou les empêcher de prendre d'attaquer des kraken ou les empêcher d'attaquer des cargos? Après, moi, tu sais, moi, ça me dérange pas, hein. Chacun est libre de jouer le jeu comme il veut, tu vois. Ils peuvent attaquer comme ils veulent, hein, tu vois. Mais moi, ça me donne l'autorisation de les attaquer après comme je veux. Donc, moi, ça me dérange pas, tu sais. Il est pas forcément méchant, hein, sur le principe, hein. Il joue à un jeu, il le joue comme il veut. T'en as qui aiment farmer, t'aimes qu'il y en a qui aiment attaquer, tu vois. Mais c'est juste que, bah, moi, ça me donne. Mais c'est des gens, je leur donne même pas l'heure, je sais même pas c'est qui, moi je les connais pas. Satan himself, là, le R5, je sais même pas c'est qui, moi. Du jour au lendemain, il s'est mis à parler sur le chat, il me parle comme si je suis son pote. Je les connais même pas, moi, ces gens. C'est des free-to-play pour moi. Tu vois pas du Kalel ou du Simray aller perdre son temps sur le chat. C'est comme du Dadou ou les gros cash players, ils ont autre chose à foutre. Alors, c'est des free-to-play à la base qui tu donnes même pas l'heure. Là, moi, ça m'amuse de les voir essayer de me brutaliser parce que je sais comment on va rigoler après, tu vois. Même là, avec Aiden, on rigole. On rigole quand tu les vois m'écrire. J'espère que tu vas tenir la cadence. Faut que tu reviennes toutes les 3 heures. Bah, si déjà je me déconnecte toutes les 3 heures, ça serait pas mal. Canada. Ah! Ah, c'est lui! C'est celui qui pleurait parce que il s'était fait attaquer sur le chat, sur le Discord là, et que je lui avais dit arrête de pleurer. GRJ se fait attaque tous les matins. Oh, le pauvre. Tiens, c'est pareil, les gens ils changent de nom tous les 4 matins. Bon, une fois que tu changes de nom, frérot, je sais même pas t'es qui, tu vois. Donc, tu vois, c'est des gens, je sais même pas. Ça m'amuse, moi, ça me donne juste l'occasion de pouvoir. C'est un barbu, un ancien. Ouais, non, je me rappelle de la photo, canard. Mais moi, je me rappelle des noms avec les. Tu vois, une fois que je retiens un nom, le nom, il est là. Vous savez comment je suis, moi. Pour ça que moi, quand vous changez, Nathanael, c'est C3, il s'appelle C3, Nathanael, ça existera jamais. Chaque fois que je vois écrit Nathanael, mon cerveau, il est obligé de réfléchir et de l'associer à. Donc, Canada, oui, je vois très bien c'est qui. Rappelle-toi aussi, c'est celui qui s'était plaint là sur le Discord, je sais plus ce qu'il disait là. Je lui ai dit, tu devrais juste ignorer. Parce que JRJ, ils attaquent toute la journée. C'est des free-to-play, poulet, tu vois ce que je veux dire, moi, c'est juste, ça me fait rigoler de les titiller, de les énerver, mais sinon, c'est des gens, je leur donne même pas l'heure. % du temps, c'est King Kong qui joue. Moi, quand tu me vois écrire, c'est que c'est moi qui joue. Le reste du temps, si tu me vois pas écrire, c'est que c'est pas moi qui joue. Les voir essayer de couler des. Je dis, ils sont. Je pense que c'est leur premier jeu à la plupart. Du moins, la plupart de ceux qui parlent, qui machin, qui s'emmerdent. Loki, ça doit être pareil, ça doit être son premier jeu. Tu t'emmerdes pas avec ça quand t'as des années et des années de jeu, frérot. Tu t'emmerdes pas avec ça. Donc tu te doutes bien que bon, quand j'ai 5 minutes à perdre, quand je suis sur les toilettes, ça me fait rigoler de les humilier sur le chat. Mais après, j'ai pas plus de temps que ça à donner à un free-to-play qui, tu vois. Ça va même pas m'amuser, tu vois. Le jour où je vais mettre un coup de visa et le mec il sera loin derrière, qu'est-ce que je vais perdre mon temps à aller attaquer un navire 32 quand je serai 37, tu vois ce que je veux dire? Chose à foutre, c'est pas rien à foutre. Je donnerai le compte à Claude ou à Hello13 ou à quelqu'un qui s'amuse et attaquera toute la journée pour leur faire chier et se venger.
Mais alors moi attaquer que j'en ai à foutre. Ça y est, ça commence. Ça commence. Dans le jeu, ben non, mais en plus dans le jeu, t'as quoi à faire? Tu trades toute la journée, tu reviens une fois tous les 2 jours pour faire tes 3000 d'endurance. Et tu traites toute la journée. C'est pareil, là, je m'étais dit, j'allais peut-être commencer à prendre les héros. Mais bon. Il y a rien de spécial, les héros, quoi. Il y a l'équipe stratégique, j'aimerais bien maxer. Il y a moyen que l'équipe stratégique, je la max. Et y a moyen que je vais maxer aussi l'artillerie là avec le nouveau bateau. J'attends de voir là, je vais peut-être essayer de me crafter un légendaire parce qu'apparemment le légendaire crafté est meilleur que le légendaire que tu peux acheter dans le pack. Apparemment il y a un souci, il faut que j'aille voir un petit peu ce qui se raconte, mais apparemment il y a un souci avec les. Oni, c'est qui Oni? Onimusha? Ouais, mais Onimusha, c'est impitoyable. C'est impitoyable et j'ai pas le bateau légendaire impitoyable. Le nouveau bateau, c'est artillerie. Ouais, le nouveau bateau, ouais, apparemment, le craft légendaire te donne des meilleurs skills que le pack à 100 balles. Apparemment, les skills sur le pack à 100 balles, il est pas top. Et Onimusha, c'est un impitoyable. Donc si t'as pas le bateau qui va avec et les 2 autres héros qui vont avec. Tu peux limite te faire niquer par un mec qui aurait une meilleure formation avec des héros violets, quoi. Donc c'est ça, c'est que tu prends un héros impitoyable. Mais il faut que t'aies les 3 héros impitoyables avec le héros. Tu vois, si par exemple. Donc t'as Bones. Bones, il est sympa. Mais moi, j'ai rien en impitoyable. J'ai que Luna. J'ai Luna. Et que 2 étoiles. Donc tu vois, même pas monté, rien. T'es obligé de faire avec ce que tu as. Bah, t'es obligé de faire avec ce que tu as. Tu as ce que tu as choisi. Tu vois, pareil sur le Discord du jeu, là, je vois pas mal de gens qui sont là. Ouais, je dépense les coquillages, faut pas les garder, nanana. Là, moi, Onimusha, il m'intéresse pas. Onimusha, je vais pas dépenser un seul coquillage en or pour Onimusha. Si je le débloque pas, suis pas sûr que ça va me poser gros problème. Je le débloquerai plus tard, il sera plus cher, ça va être comme SOS, ces héros-là, ils redeviendront moins chers plus tard. Donc, par contre, tu vois, j'ai bien monté artillerie. Et ça me tâte de récupérer la dame en blanc. Et la dame en blanc, je pense que je vais foutre un petit billet pour la monter. Parce que c'est pareil pour le trial, la dame en blanc, elle est bien. Beaucoup de players contre qui je perds, c'est ceux qui ont la dame en blanc pour l'instant. Je suis dans le top 150 là des duels. Et la majorité des mecs qui m'enculent maintenant, c'est des mecs avec la dame en blanc. Dame en blanc, ou sinon sans la dame en blanc, mais plus fort que moi, quoi. Mais j'arrive même à me faire tuer par des gens qui sont plus faibles que moi sur tout le héros. Mais qui ont la dame en blanc. La dame en blanc a l'air vraiment sympa. Wanda a l'air vraiment cool avec l'invocation pour la panthère. La dame en blanc a l'air d'être vraiment cool. Je pense que c'est une. Donc tu vois, si t'as la dame en blanc, le requin et la chinoise là, là t'as le trio artillerie. C'est le trio qui va sur le nouveau bateau. Là t'es top. Là, t'es top. T'essayes de monter un skill en or sur ton bateau. Alors, même un bateau violet avec ton petit skill en or, tu peux être cool. Tu peux être vraiment cool. Donc,
Donc ouais, pour l'instant, à Onimusha, bah voilà, je sais pas. Tu vois, je me dis bon, 5 bateaux, là, j'ai déjà, tu vois, t'en as un, ça va être la défense, hein. Il faut que t'en gardes un pour la défense, donc Herald avec une elfe et un autre truc d'assistance. Et donc je pense Vanda. Vanda serait intéressant. Tu mets Vanda avec le Père Noël et la fée. T'as un premier navire plutôt pas mal. Après, tu mets Noyade, Flamme. Et moi, j'ai choisi Artillery. T'as pas le requin? Ah ouais, putain, toi, t'es... Ah ouais, t'as vraiment pas de cul. Ouais, mais tu dois avoir un stock de coquillages pour pas avoir le requin, je pense. Tu dois avoir un stock de coquillages parce que le requin, si tu le joues un minimum, les coquillages, je pense que tu tombes. Hein. Donc, ouais, ça dépend en fait ce que tu choisis. Tu vois, donc moi, je me suis plutôt dit, donc le premier bateau principal, et ensuite, t'as tes quatre bateaux. Sur les quatre bateaux, noyade, flamme, un pour assistance, défense, et le troisième, j'ai choisi Arti, le quatrième, j'ai choisi artillerie. Donc, ou tu choisis artillerie si t'as la dame en blanc, le requin et la chinoise, ou à ce moment-là, tu choisis impitoyable, et donc avec Onimusha, Luna et c'est qui le capitaine en queue de croûte? C'est ah je sais plus c'est qui l'autre. On a un troisième, on a impitoyable. Je sais plus c'est quel capitaine en impitoyable. Tintin. Donc tu vois, et puis après moi j'attends stratégie. J'attends le bateau stratégiste pour le squelette bleu, Au premier, j'ai mis Hab. Ouais, attends, on va aller voir ça. Attends. On va aller regarder ça un peu si vous voulez. Mais après, j'ai pas vraiment regardé. Hein. Là, moi, je suis vraiment au feeling. Hein. Au feeling. Je suis vraiment au feeling. Sans avoir vraiment tout testé. Hein. J'ai eu accès vite fait au data mine, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait. Mais moi, c'est comme tous les jeux, t'as un cercle, tu vois, c'est l'impitoyable qui va couler le flamme, la flamme qui va couler la noyade qui va couler la défense qui va contrer l'impitoyable. Tu sais, c'est le cercle, Attack Raider des Hunters, c'est le même cercle à l'infini comme tous les jeux, tu vois. Donc, moi, sur le premier, j'ai mis ça, moi. J'ai mis Ab. Avec stratégiste. Attends, je vais aller la voir après, ça m'intéresse. Donc en premier, moi j'ai mis ça. Est-ce que c'est le mieux? Est-ce que c'est le moins bien? J'en sais rien. Le délire, c'est que j'ai pas de stratégiste. J'ai pas de bateau stratégiste. Ben Vanda, t'es obligé de l'avoir. Vanda, tu la débloques aujourd'hui. Tout le monde la débloque avec la saga aujourd'hui. Tu l'as, Vanda. On a tous Vanda gratuitement. Tu l'as, Vanda. Après, j'ai mis Molly. Donc, j'ai mis les stratégistes. J'ai mis les stratégistes. Ensuite, ici, donc sur Flamme, je t'ai mis le Joker. Avec Tanaka et j'ai mis Cordelia. J'ai pas mieux à mettre, tu vois. Ça me fait chier de mettre lui en fait. Ça me fait chier. Je mets pas un violet tant qu'il est pas maxé. Je me dis un violet maxé, ça peut être mieux qu'un or pas maxé. Mais pour l'instant, ah, je mets Cordelia, tu vois. Je préfère mettre Cordelia. C'est où je mets lui ou tu vois? Non. Je préfère mettre Cordelia, je pense que Cordelia elle est pas trop mal. Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe. Ensuite, Flamme ou Noyade, c'est Noyade là. Noyade, je t'ai mis ce qu'ils disent, ce qu'ils demandent.
J'ai le bateau en or. Avec les skills en or. Je te l'ai maxé en or, le bateau viking. Bateau viking, il est full gold avec les meilleurs skills. Je te les reset une vingtaine de fois avant de tomber sur les bons skills. Griffin, Maudit et Belle. Ouais, mais 1, 2, 3, on n'a pas forcément le même ordre de bateau en fait. Faut que tu me dises le nom du bateau. Parce qu'on n'a pas forcément mis les mêmes au même endroit. Donc, en tout cas, sur le noyade, le Viking. Le Viking, je t'ai mis le recommandé. Bernacle, et tu vois, c'est des héros, ils ont que 2 étoiles. Est-ce que un violet maxé n'est pas mieux qu'un gold de 2 étoiles? Et après, sur le bâton de la saison 3, là, je t'ai mis les recommandés, donc le requin et c'est quoi ce nom? Mais j'ai pas Ophélia. Sentinelle Pourpre et Providence, je les ai plus ceux-là, moi. Si, Sentinelle Pourpre, je l'ai. Sentinelle Pourpre, t'as fait comme moi. Lester, Tanaka, et non, t'as mis Med. T'as mis celui qui est recommandé. Ouais, t'as mis celui qui est recommandé. Moi, celui qui est recommandé, il est pas top. Je l'ai à peine que niveau 7. Je l'ai à peine que niveau 7, tu vois, niveau étoile, il est pas top. Je l'aurais 11, 12, ouais. Peut-être que j'y serais allé le mettre. Alors, Bernacle, t'as mis quoi? Alors, marteau. Le marteau, je l'ai pas, moi, tu vois. Moi, j'ai Sentinelle Pourpre. Porte-tempête. En fait, moi, j'ai mis les bateaux où j'avais les héros, en fait. J'ai essayé d'associer au mieux, tu vois. J'ai essayé d'associer au mieux. Là, il me manque Ophélia. J'attends au calendrier. Là, dès qu'il y a le calendrier, je vais te rusher pour débloquer Ophélia. Moi, ils sont pas beaucoup montés, mes héros. Bah, regarde, les miens non plus, hein. C'est tous juste débloqués, hein. Griffin 2, Sharky 2, Bernard, Adeline. Tu vois, t'as Lester, mais c'est pareil. C'est parce que je suis tombé sur un coup de chance, il m'en a donné un. Cordelia, bah, j'ai juste pris les petits packs qu'on avait au début du jeu, là. Les packs à 1,19€ avec le pack de départ, là. J'ai juste pris ça. Et là, c'est pareil. Il y a juste Molly. Ouais, si, Molly, bah, c'est la semaine là où j'avais dû mettre 50 balles ou je sais plus quoi, là. Là, ça m'avait récupéré quelques gold. Qu'est-ce que j'ai pris où ça m'avait donné beaucoup le gold? Ça fait combien de temps que je joue? Bon, ça fait pas longtemps, hein. Pas évident à choper, ouais. Combien de temps que je joue? On n'est pas là, quelques mois qu'on joue, non? 110 jours. C'est tout récent. C'est tout récent. C'est tout calme, c'est tout sympa. C'est comme du SOS, sauf que, bah, enfin, c'est la suite de SOS. Sauf que t'es avec des bateaux, donc tu vois, tu peux te balader partout où tu veux. T'as pas de. Là, t'es pas comme avec un château avec ton téléporteur. Là, tu vois, si je veux aller au port, je vais au port là, le bateau il va commencer à se balader, etc. Mais je veux pas aller. Attends, je reste là parce que je suis en train d'attaquer les fermes. Puis après, tu vois, tu peux aller attaquer des bateaux, t'attaques des bateaux, hop. Donc non, il est vraiment cool le jeu, Toto. Vraiment cool. Et puis la différence avec SOS, c'est que bah t'as pas de troupes. Donc là, personne peut te détruire, personne peut pas te faire bien grand-chose en fait, tu vois. Au pire, on te coule. F1. T'es coulé, il est content, il t'a coulé. Tu vois là, je vais le couler. Mec, il en a rien à foutre. Moi, il y a des fois, je me connecte, tu vois, si je me suis pas connecté de la journée ou quoi, et que c'est d'autres qui ont joué, ils clament pas les mails. Je vais avoir 50 mails, je les regarde même pas, je sais même pas qui m'a attaqué, j'en ai à foutre.
Bah, ce que j'apprécie, c'est de ne pas perdre les troupes et attendre 107 ans pour les récup. Bah alors déjà, si tu veux en récup, tu peux en récup, hein, assez facilement, hein. Ça coûte même pas cher. Bah, moi, je crois que j'en ai déjà récupéré aujourd'hui. Je crois que t'en récupères, c'est plusieurs fois. Première fois, tu payes 200 biocaps, ça t'en donne 1000. Puis après, c'est 400, après c'est 600. Tu perds pas de puissance et alors est-ce que je peux te montrer un mail où je perds des ressources? Genre ça te prend rien. Ça te prend rien. Genre deux bois. Ah, il a tout supprimé les rapports? Mais non, King Kong! Ah, King Kong, il a tout supprimé. Non, mais puis bah tu vois, là j'ai rien gagné. J'ai rien gagné à le couler l'autre parce que j'en ai déjà trop coulé. Ou tu attends 24 heures et tu les récupères tous. Oui, bien sûr, t'es pas obligé de payer. C'est si vraiment tu veux les récupérer là tout de suite, t'amuser. Enfin voilà, tu vois. Mais non, non, Toto, regarde, et puis t'es limité. Au bout d'un moment, quand t'attaques trop. Puis regarde, puis c'est pareil, regarde, il se barre. Est-ce que je vais réussir à le couler avant qu'il soit mis au port? Ah, trou de balle, il s'est barré. Il lui est resté 10 marins. Ah, trou de balle. Donc non, tu t'amuses si tu veux t'amuser. Je te dis, le seul truc que ça fait vraiment quand tu attaques quelqu'un, c'est ici, tu vois, là, juste là. Il va peut-être falloir que tu m'attaques 50 fois pour que tous ces soldats-là, ils soient morts. Mais quand moi, je vais me reconnecter, tu vois, ça fait, je sais pas si t'as remarqué quand j'ai lancé le jeu, là, j'avais deux boutons rouges, là, sur le côté. Tu cliques au port. Et en fait, ça te réapprovisionne ton truc, tu vois. Perds rien, tu perds pas de puissance, tu perds pas de ressources non plus. Non, le jeu est vraiment fun. Ils t'ont enlevé le délire de se faire niquer son compte à tout moment, quoi. Là, tu peux pas niquer un compte. Tu peux faire chier une personne, et encore. Je te dis, là, nous, il y a 300 personnes qui essayent de nous faire chier. Alors. Tu fais pas chier, tu vois. Donc, non, non, il est pas trop dégueulasse. Il est pas trop dégueulasse. Après, c'est le début. Donc, c'est très calme. Très, très, très calme. Il n'y a rien à faire. Là, de toute la semaine, là, je sais pas ce qu'on a à foutre. Ah, t'as un truc, c'est comme là, des bateaux là, qui viennent se foutre là, sur la carte, tu les attaques. Mais sinon, voilà. T'as une semaine où t'as les défis de clan. Ils viennent de te mettre les premiers réservoirs raids. Ça vient de commencer, c'est tout calme. Le jeu, il est tout calme, il est tout tranquille. Et puis, il n'y a pas. Enfin voilà, il n'y a pas d'intérêt de dépenser. Tu peux jouer, tu peux t'amuser, tu peux. Et il n'y a pas. Ouais, tu peux pas être à zéro en fait. Il n'y a rien quoi. Un bouclier, ça coûte que dalle. Je crois que là j'en ai mis un pour rester tranquille. Ça coûte 100 balles, je crois. 100 balles, 100 diamants. Il est où le time? Ouais, voilà. Et c'est un jeu fun plus, donc tu récupères à peu près entre 500 et 800 diamants par jour, tu vois, avec toutes les activités à droite à gauche. T'as plein de petites attaques. Ils t'ont mis un mode duel aussi, bah, qu'on n'avait pas sur SOS justement. Donc le petit duel de. Hop, on peut aller en faire un pour vous montrer un peu à ceux qui savent pas. Est-ce que je tomberai pas sur un petit. Non, bah ça, toi, tu vas être trop fort. Là, on essaye celui-là. Ah, t'as les petites confrontations de bateaux. Allez, 27 contre 27. On va voir ce que ça donne. Donc, pareil, si tu veux pas les faire, tu peux skip. T'as le bouton là qui va s'afficher en bas là. Tu skip. Ou sinon, tu peux aller regarder. C'est pas mal. Ça te permet d'étudier un petit peu quel équipement mettre.
quel héros attaquer, quel... Tu vois? Là, si par exemple je perds, je vais pouvoir re-attaquer. Et donc je peux changer, tu vois, je regarde les statistiques, je vois ce qui se passe, j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai pas perdu. Et je peux essayer d'aller récupérer une revanche après en changeant d'héros, quoi, tu vois. Mais là, il est trop fort. Là, il est trop fort, je pense qu'il doit avoir des héros beaucoup meilleurs que les miens. Il a ses quatre bateaux encore en vie. Il doit avoir du meilleur. Fais voir un petit peu ce que ça donne. Alors. Alors, c'est qui avec qui m'a fait beaucoup de dégâts? Et tu vois, même encore là pour l'instant, je vois beaucoup de personnes la foutre, elle là. Ah ouais, mais bah, les gens, où est-ce qu'ils les récupèrent, les cigares, là? Ah ouais, tous les skills. Eh, moi, je galère avec les cigares, moi, mon gars, hein. Ah, je sais pas c'est comment vous faites avec les cigares, mais moi, j'ai un gros souci avec les cigares, hein. Moi, je les fume, les cigares, hein. Là, moi, des cigares, il m'en faut pas loin de 800. Je crois que j'en ai que deux, niveau 8. Tous les autres, ils sont 7 ou 6, hein. Regarde, 6, hein. Là, 7, 7, 7, 6, 6, 7, 7. Moi, je galère avec les cigares, hein. Mais j'essaye d'économiser mes biocaps, mais la vérité, moi, tous mes biocaps, ils partent que là-dedans. Je me sens carotte en plus de payer pour ça. Mais moi, les cigares, c'est une galère, hein. Et surtout, là, quand tu vois qu'ils t'ont augmenté le truc, hé. 90 et 100. Mec, c'est mort. Je te le dis, c'est mort. Donc là, moi c'est déjà, moi j'ai déjà commencé à me limiter, moi. Là, tu vois, Wanda, je sais pas si je vais la jouer. Je l'ai pas maxé. Parce que dans tous les cas, j'ai pas les cigares pour la monter. Et puis il faut d'abord que j'aille finir des héros que j'utilise avant d'aller cramer des cigares pour elle. Donc tu vois, la Wanda, je la débloque. Elle reste là. Onimusha, si je le débloque, il va rester comme ça, Onimusha. C'est pareil. Là, pour l'instant, c'est en mode... Ah oui, hein. Ouais, non, mais c'est... Là, cigare, c'est... Ça a l'air d'être un peu le l'item... L'item... Graal du moment. Alors, sûrement qu'après, on va en avoir à foison. Mais vous vous rappelez au début de SOS, avec les médailles de héros, les livres, on galère pour en avoir, etc. Après, t'en as à foison. Mais ouais, les cigares en or a l'air d'être l'item un peu. Et puis même les violets, hein. Même les violets, moi, honnêtement, là, tu me dis, il les faut tous. Mais oh frérot, moi, c'est pas possible. J'en ai pas beaucoup de cigares. Et je les trouve où, les cigares? Donc, ouais, non, il y a pas mal d'items qui sont un peu galères à récupérer. Et même dans les packs, t'en récupères pas des 100 et des 1000. Donc, ouais, non. Cigare, c'est compliqué. Et donc là, on est déjà en train de... Et ça m'ennuie parce que Wanda, le skill m'a l'air vraiment intéressant, hein. L'invocation de la panthère. L'invocation de la panthère, ça peut être vraiment cool, hein. Je sais pas si vous l'avez déjà essayé. Tout le monde est sur la même map. Alors, c'est pire que SOS. C'est pire que SOS. En fait, ils te font des saisons avec des mini-cartes. Alors, tu vois, on n'a même pas de carte monde. Hein, je... Mais genre, par exemple, nous, on a commencé sur la mer 72. Et au début où on a commencé, voilà, t'avais que ce petit carré de la carte qui était visible. Après, au bout d'un mois, etc. Merde. Ça s'est agrandi. Et après, là, en fait, si tu veux, on est dans des saisons. Et donc, en fait, là, par exemple, on est... c'est quoi, là? Là,
On est avec la mère 69, 70, 67, 68, 71. Donc, t'as des états comme SOS, mais c'est pas le même délire. C'est pas le même délire. Là, t'es déjà à 400, 500 états sur 500 mères. Mais au final, dans des mères, t'as un clan, voire peut-être deux clans. Alors que le jeu a commencé, enfin, tu vois, on est à 2-3 mois. Donc c'est différent. Là, c'est ce que je disais à beaucoup de gens là. Là, faut se dire que en comparaison avec SOS, on n'est même pas à la première capitale. Là, on s'est même pas retrouvé à la première capitale Clash. T'as encore le brouillard. 110 jours de jeu. Là, je crois que c'est 3 mois et 39 jours la capitale. Donc 90 et 129 jours avant d'avoir l'ouverture de capitale sur SOS. Là, on n'a même pas eu la première capitale Clash. Mais c'est fait différemment en fait. Donc là, en gros, au lieu d'être en clan contre clan, au lieu d'être en clan contre clan, tu te retrouves en mer contre mer. Et les clans, t'as 200 joueurs par clan. T'as 5 légions pour le réservoir raid, 5 équipes de réservoir raid. Donc c'est fait un peu différemment sur les bases de SOS. Hein, c'est l'équipe développement, c'est l'équipe de SOS. Hein. 70% de l'équipe de SOC, c'est l'équipe de SOS. Donc voilà. Mais après, si tu veux venir jouer avec nous, faut que tu demandes à. Juste si tu veux télécharger et essayer. Il y a Nathanaël là qui a. On a un compte là. En plus, il est hors ligne depuis 30 jours. Comme ça, tu récupères pas un. Tu recommences pas un compte à zéro. Mais si tu veux, il y a. Il est où? C'est voilà. 35 jours, il est déjà niveau 63, tu vois. Au moins, ça te fait. Mais justement, si tu veux, là, ça te permet de récupérer un petit bateau qui est. Il est pas dégueulasse. En plus, je crois, il est déjà quoi, niveau quoi? T'es déjà niveau 20. T'as déjà un bateau niveau 20. Donc non, il est sympathique. Mais bon, après, si tu viens dans le 72 pour venir jouer avec moi et King Jong Jun, tu sais que tu vas venir pour faire. Là, tu vois, ils sont tous en rouge. Sont en rouge. Ils doivent me traquer ou c'est moi, le jeu, il veut que je les traque. On doit être en mode vengeance. Vengeance, faut que j'aille me venger. Donc c'est ça que vous me disiez. Donc là, en gros, si je vais me venger, je récupère 1K. Je vais aller essayer d'aller brûler un. D'aller couler un mec à 51 millions de puissance. Pour 1000 de d'or? Non. Non, 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 non. On va s'arrêter là. J'ai pas le temps de lire ce qu'ils disent sur le chat. Je compte sur la chance du dépôt pour avoir un bon tirage. Alors, oui et non. Voilà comment ça se passe pour les héros. Donc, t'as des coquillages en or et des coquillages blancs. Coquillages blancs coûtent moins cher. Un peu comme les recherches épiques et les recherches normales. Sauf que la majorité des packs, en fait, là, pour l'instant, la majorité des packs que t'as, c'est ça, en fait. Ça te donne des coquillages. Des coquillages, des coquillages, des coquillages. Les coquillages t'apportent tout, en fait. C'est un peu la valeur d'or de ce jeu parce que les coquillages t'apportent les héros et les coquillages t'apportent les accessoires pour foutre sur les héros, ce qu'ils appellent les bibelots. T'as plein de petits bibelots différents, sympas, que tu peux rajouter, etc. Un peu comme les.
C'est pas comme les gears, mais plus ou moins comme les gears, en gros, tu vois. Ouais, les ors, ouais, ça dépend. T'en récupères, bah ouais, forcément beaucoup moins. Mais ils sont là. Après, on est sur du fun plus. Donc, tu vois, des héros, t'en as toutes les 2 semaines, 3 semaines, t'as un nouveau héros. Tous les mois, t'as un nouveau héros. Ou t'en as deux nouveaux tous les 2 mois. Donc, faut pas trop se prendre la tête parce que ce qui coûte cher là aujourd'hui, tu vois, là par exemple, avec les blancs. Tu peux récupérer tous les héros légendaires qui sont là, là. Mais tous ces héros légendaires qui sont là, que tu peux avoir avec des coquillages blancs, il y a 3 semaines en arrière, 1 mois en arrière, ils étaient là où il fallait les payer avec des gold. Donc bon. Je pense pas que un héros fasse la différence. Donc moi, je vois pas vraiment encore l'intérêt des coquillages en or, si ce n'est qu'avoir le héros rapidement. Mais encore une fois, dans les jeux Fun Plus, monter quelque chose rapidement te fait juste payer plus cher. Tu peux l'avoir 1 mois après au même prix, beaucoup moins cher. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon. Moi, j'économise, j'attends. Tu vois, la semaine prochaine, là. On est cette semaine, on est une moucha avec elle. À partir du 19 au 25, on sera avec Vanda et son Viblo. La semaine d'après, Onimusha avec Voyageur de retour. Et la semaine d'après, tu vas avoir Vanda avec Ophélia. Donc là, moi, tu vois, ça me laisse 4 semaines encore, histoire de faire un petit un peu de stock d'euros, petit stock de packs. On va voir, ça serait bien que j'ai au moins. Ah, ça serait cool que j'ai au moins 200. On va voir cette semaine. Je pense que je vais prendre les packs cette semaine. Ouais, je vais prendre les packs la semaine d'avant et la semaine de. Ouais, je vais prendre full pack la première semaine et la deuxième semaine. Et je vais essayer de monter un petit peu. Mais pour l'instant, j'hésite encore à monter les héros vraiment jusqu'au bout. Et je me dis que pour l'instant, juste les monter niveau 4, tu débloques tous les skills. C'est largement suffisant pour l'instant. Déjà, même les montées trop, tu sais, ça sert pas pour ce qu'on fait. Tu es pas sur les mêmes tarifs que ça. Alors attends, non mais moi c'est parce que je suis sur une application, je suis sur une application serveur dev moi. Je suis pas du tout sur les prix. T'as 200 blancs, c'est cool ça. 200 blancs, je pense que t'arrives à récupérer 3, voire peut-être 4. Allez, 3. Allez, 3. Je pense que t'en récupères 3 facile. Et si t'en récupères 4, tu me payes un McDo. Mais alors, de base, c'est 1 pour 100, mais bon, tu peux réduire. Tu mets 1 pour 60 et 1 pour 80. 80, 160, 220. Je pense que les 3, je peux les avoir à 200. Et t'es sur les mêmes tarifs que SOS. Même tarif que SOS sur les packs. Je sais pas du tout à combien il est les packs là pour vous, ça? Ça doit être 109. Mais dans tous les cas, si tu achètes, t'as pas besoin de payer pour un sans poulet. J'ai rien mis, hein. J'ai mis des conneries, hein. 20 balles par-ci, 20 balles par-là, tu vois, pour me prendre. Le héros dans les packs VIP là, mais rien, pas de speed up, rien. Et si t'as besoin de dépenser, faut qu'on passe, tu passes par bundle up. Je t'expliquerai. C'est pour payer les packs moins chers. Tu passes par bundle up. Hein. Mais il n'y a pas besoin de mettre de l'argent. Il n'y a pas besoin de mettre de l'argent. Puis en plus, si tu nous rejoins là sur le 72, là, tu vas aller rejoindre chez JRJ. Tu feras la taupe chez JRJ. Comme ça, tu vas gratter des récompenses un petit peu. Après, il est sympa, franchement. Il est cool. Et puis oui, c'est que, tu vois, tu peux, même moi, là, je peux me permettre de faire la brute sans me retrouver avec le dev qui va venir me casser les couilles derrière, tu vois.
Là, la personne, à part la bloquer et la traquer et rien, tu fais rien, tu vois ce que je veux dire? La personne, elle est un minimum intelligente, tu vois, elle fait comme moi, elle met un bouclier 24 heures pour 300 gemmes. Allez, tiens, merci, au revoir. Merci, c'est fini. Tu sors, tu vas faire tes trucs, tu fais tes trades, tu t'en fiches. Y a aucun effet vraiment sur les attaques. 5,90 puis 9,90. J'ai pas compris. 5,90, 9,90. Ah, 5,90, 9,90. Ah oui, Oxy, hein, si vous faites pas de bêtises là, hein. Que vous soyez sous App Gallery ou n'importe quoi, Bundle Up, ils peuvent vous recharger, hein. TA, moins 35%. En plus, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, les entreprises en développement, c'est là qu'il faut profiter. Ils vous donnent 10 € pour le premier rechargement. Après, pour 20 € de rechargement, ils vous donnent 10 € encore une autre fois. Vous avez plein de cadeaux en ce moment avec Bundle Up. C'est comme Huawei là qui offrait plein de téléphones, les nouvelles entreprises, enfin entre guillemets entreprises, parce que Bundle Up c'est pas une entreprise. Hein. Mais toutes les nouvelles compagnies comme ça là, à chaque fois c'est faut attirer le client, donc ça fait plein de petits cadeaux, c'est à vous d'en profiter là. Donc n'hésitez pas, vous passez par Bundle Up, ils sont fiables, il n'y a pas de galère. Si jamais vous avez un souci ou quoi, vous m'envoyez un message. Mais allez pas cramer à des 9, 10 balles là ou je sais pas quoi là dans les packs directement in-game. Et à n'importe quelle heure, vous avez quelqu'un sur le Discord Bundle Hub, vous avez quelqu'un pour vous servir à n'importe quelle heure. Ils ont embauché à 4 personnes de plus là. Donc pour avoir H24 suffisamment de personnes disponibles pour vous recharger. Donc voilà, donc ouais, donc je disais, repartons sur les héros là. Vanda, ça me ferait vraiment, je pense, hein. Ouais, pour le plaisir. Ah, est-ce que je le, non, je le fais, putain, faut que vous arrêtiez de me faire faire des conneries. D'accord, et tu vois avec Nalel pour le compte, attends, je vais envoyer un message tout de suite. Envoie-moi un message sur Discord, Toto, que je te récupère en haut de liste. Et je vous mets en contact tout de suite tous les deux. Il va te donner les identifiants tout de suite et il va te... Il est où C3? C3, il a un message il n'y a pas très longtemps, il doit être là. Là. Toto. 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 Hop. Là. Hop. Alors, là, t'as l'adresse mail et le mot de passe. T'es là, C3? C'est quoi que il est relié à quoi le compte? Tu peux lier à Discord? T'es là, mon C3PO? Il est là ou il est pas là? Qu'est-ce qu'il y avait de... Il est plus là, ces trois. Oh là là, vous savez pas que je...
Je vous ai dit que je faisais une vidéo de la Zurtane. Comme ça, normalement, ça me retrouvait à enregistrer le stream. C'était plus sympa qu'une vidéo gameplay. J'ai pas arrêté la vidéo depuis tout à l'heure. Là, je dois m'en retrouver. Là, je crois que c'est une vidéo d'1 heure et demie là qui vient d'être faite. Ah là 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 là. Bon, il est où ces trois là? Obligé de leur courir après à tout ça là. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Non, tu crois pas quoi? Et attends, pourquoi il fait chaud comme ça là? Ça y est, il commence à faire chaud là. Il fait quelle température? Il fait 16 degrés, frérot, wesh. Il est quelle heure? Il est 23 h, il fait encore 16 degrés. Et t'as pas éteint. Attends, attends, attends. Bundle up, il faut le télécharger. Non, sur Discord, bundle up. Tu peux la couper, non? Mais couper quoi? Tu me parles de quoi? De quoi tu me parles? Je vais commencer à crier. De quoi je peux la couper? Et t'as pas éteint. Tu peux la couper, non? Question. Tu dois parler à quelqu'un, je vois pas les messages, c'est pas possible. Mais j'avais oublié en fait de la couper la vidéo. J'avais oublié d'arrêter l'enregistrement. Oui, je vais la couper, je vais couper. T'inquiète. Non, c'est juste que j'avais peur. Je sais pas vraiment. C'est la première fois que je fais ça, tu vois. Donc je sais pas, tu vois, là, 1 heure et demie de vidéo, je sais pas la taille que ça fait, je sais pas la capacité que ça, enfin, la place que ça prend sur le PC. J'avais peur que je coupe l'enregistrement. Tu sais, une fois que tu le coupes, ça le sauvegarde. On sera là que ça me dit, il y a plus de place sur l'ordi, ça coupe le stream, ça fait tout bugger ou j'en sais rien. Mais oui, je vais couper. Et je vais juste couper. Bien sûr, je vais juste couper. Bon, nous disions quoi? Endurance, c'est fait, on la garde pour demain. Tu m'as envoyé sur Discord. Ouais, et je t'ai envoyé les identifiants et le mot de passe. Mais je sais pas ce que c'est. Les identifiants et le mot de... Ah, si, je sais ce que c'est. C'est Fun Plus. C'est Fun Plus. Je t'ai envoyé, hein, Toto. Le Gmail et le mot de passe. Et ça doit être Fun Plus. Mais Nathanaël doit nous envoyer, tu sais, le code Fun Plus là de vérification de sécurité. Il est en ligne dans le jeu?
Il est où? Il est où le C3PO? Il est en ligne, C3 chez JRJ? Peut-être qu'il est en ligne. J'y vais, regarde. Va, regarde. Va, regarde. Va, regarde et dis-moi. Bah il répond pas. Mais tu le vois en ligne? Something I can't undo. I'm taking six shots.
yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Be the greatest. Everybody on the face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Je vais passer la nuit aussi, faut que j'aille faire le ménage là sur toutes les récoltes toute la nuit là. J'ai dit demain pas de vidéo SOS. C'est pas grave. On va jouer toute la nuit. Je vais me mettre un petit. Ça fait 2-3 jours là que je me dis je me recommencerai bien la saison, la série Game of Thrones. Je me mets un petit Game of Thrones. Et là, je peux t'attaquer les ressources. Pour... Il y a combien de saisons avec Game of Thrones? 11 saisons, 12 saisons? Je suis tranquille pour 12 saisons. 12 saisons de 20 épisodes. Je me refais la saison de Game of Thrones en même temps que je te fais les récoltes. Oula, je suis pas sûr que ça je vais réussir à le sortir ça. Pas attaqué, si. Oh, je regarde même pas moi. Je regarde les héros en fait. Si je vois des héros légendaires full rouge, j'attaque pas. Si je vois que les héros ça passe, j'attaque. Je t'ai attaqué. En même temps, faut pas récolter ma peau. Hein. Là, il me faut un petit peu de temps avant d'arriver à tout le monde parce que là, il y a beaucoup qui récoltent. Il va me falloir un ou deux jours avant d'avoir nettoyé toute la carte. Mais je vais arriver sur vous bientôt. Je sais pas, tu vois, là, comme tu vois, là, je suis en bas à droite. Je vais faire le tour. Faire le tour de la carte. On va faire un petit... Tiens, le petit train, là, le petit train blanc à chaque fois, là. Je vais faire les petits trains blancs touristiques. Je vais le faire le tour de tous les ports. Déjà, j'ai trouvé la technique. Je vais au port JRJ. Parce que j'ai vu que vous dormiez beaucoup au port JRJ. Parce qu'au début, on avait commencé en bas à gauche, là. Mais il n'y a personne en bas à gauche.
C'est que des JRJ deuxième clan. Et j'ai dit, mais attends que je suis bête, suffit d'aller au port JRJ. Et puis là, au port JRJ, pas bah en 1 heure, j'ai réussi à faire crier à pleurer tout le monde. Ah, j'étais pied de rire. Ah, j'étais pied de rire. En plus, c'est au moment où je me connecte, tu vois. J'ai attaqué pendant 1 heure. Après, je leur ai dit, ah, je fais une petite pause. Faut que j'aille faire des courses. Ils commencent à m'envoyer des screenshots du chat d'État et tout. Ouais, ça pleure déjà. Même pas 1 heure, ils ont tenu, quoi. Même pas 1 heure avant de pleurer. But de Mbappé, on s'en fout. Bon, leur drama de... C'est tout bon. On est tout bon, nous? On va aller nettoyer après. De toute façon, on va s'arrêter là. 2h18. Putain, faut que j'aille recuire une pizza, moi. Bon, on revient demain? Je garde mon endurance, puis on ira se refaire un petit chill demain. Même heure, je pense. Il est quelle heure, là? 23h. Ouais, 20h30. On a commencé à 20h30. C'est bien 20h30 en ce moment. 20h30, on se dit demain rendez-vous 20h30, peut-être demain. Non, j'aurai encore de l'endurance, je serai pas obligé de jouer demain matin. Un jour, 7h, c'est bon. On se revoit dans un jour, même heure, même chaîne. On se revoit dans un jour et puis on ira faire un peu d'endurance et toutes ces conneries demain. On ira en attaquer d'autres. Bon, bah merci à tous pour ce petit stream. Je vous dis pas merci pour la pizza. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. À demain, passez une bonne soirée, bonne nuit, bon courage à ceux qui bossent, nos agents de sécurité VLFR. Et puis à demain, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.